Et t'étais là. Et qu'il a un joli foulard. Mais t'es amoureux de qui? De personne. Et quand je viens pas, c'est que j'ai mieux à faire. Mieux à faire que l'aîné de ton père et ton frère? Et j'imagine que c'est pas le bon moment pour te demander de me prêter la Norton. Michel, je te prêterai jamais ma moto. Regardez, devinez combien? 15 francs. 15 francs? Et il y a des cordes. Pourquoi t'as acheté ça? On n'a pas de bassiste. Parce que justement, si on n'en prend pas un, je quitte le groupe. Bon, ben de toute façon, on n'en connaît pas. Mais pourquoi t'es muté comme ça? Ça fait 20 fois qu'Annie se propose. Alors je répète, on a un problème énorme. Annie n'est pas un garçon. Je suis même carrément une fille. Tu peux le dire, c'est pas un gros mot. Enfin, c'est quoi ces histoires? J'apprends la basse et vous cherchez un bassiste. C'est bon, on y va. Mais on n'a qu'à l'auditionner. Il a raison. Ok, pas de problème. Si je rigole trop, je me tournerai. On y va? Les mauvais garçons. Non, c'est moi qui choisis. C'est bien mieux comme ça. Je me régale d'avance. Ça t'intéresse? Mais c'est ton idée à toi, le groupe. C'est toi qui as l'acte de concert. On la jouera jamais, les mauvais garçons, j'en ai marre de la répéter. Ah ouais. Et t'as mieux à faire, peut-être? C'est comme le garage. Ça non plus, c'est pas mon idée, c'est celle de papa. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça m'intéresse pas, je veux pas devenir garagiste. Mais tu déconnes! Papa attend toi pour lever un peu le pied et nous confier le garage. Mais je vais avoir le choix. Mais on l'a pas, mon vieux! Puis pour faire quoi? J'en sais rien encore! Si t'étais pas mon frère, je t'en collerais une. Ça ferait drôlement avancer les choses. Ah, ça va, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Puis vous me saoulez, là, tous les deux. Vous êtes aussi irresponsables, hein, Claude. À moi, tu peux me le dire. Tu veux faire quoi? Mais j'en sais vraiment rien. Ça a un rapport avec le foulard? C'est bon, je l'ai reconnu. Ça peine dit trois mots. Mais t'as son foulard. Tu sais, les filles, ça coûte cher. Garagiste, c'est un bon métier. Souviens-toi de ce que dit Jacques, avec les filles... Il faut toujours payer, etc. Eh ben, je crois pas qu'elle soit comme ça. Et puis, elle est étudiante, elle va avoir son métier à elle. Prof. Tu te vois, toi, avec une prof. Pour l'instant, je vois rien du tout. Bah, c'est quand même mieux de rester dans son milieu, non? Et tu me conseilles quoi? Je sais pas. Une jolie serveuse rouquine. Parce que t'en connais une autre. Non. Il a de la chance, mon frère. Ouais. Et moi aussi, de t'avoir comme amie, t'es la seule à qui je peux parler comme ça. Double mouais. Allez, tire-toi. Va rejoindre ton frère. Je suis sûre qu'il est en train de bouder devant la porte. Ouais, t'as raison. Bon, allez, salut, Annie. Et dis-lui de ta part que c'est OK pour le ciné demain.